J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo qui n'a rien à voir avec ce que je fais habituellement sur ma chaîne. Je vais vous présenter un tableau de récompenses. Il y a peu de temps, j'avais lancé sur ma chaîne un appel à mes abonnés en leur demandant comment eux, ils géraient les crises de leurs enfants dans des lieux publics. Ça, c'est la question en gros, mais je l'ai déballé un peu plus longuement sur le jour de ma vidéo. Bref. Il y a quelques jours, j'avais regardé une vidéo de Maman mais pas que qui avait fait un tableau de récompense pour ses garçons, pour ses enfants. Et je me suis dit, ben tiens, je vais essayer de faire la même chose suivant ce que les abonnés m'avaient dit en commentaire le jour où je leur ai demandé, où je leur ai posé la question. Donc j'ai fait un tableau de récompense comme ceci. Mes enfants, ils ont que 3 ans. Ils ont 3 ans et demi. Et je me suis dit, je vais faire un tableau de récompense sur 6 choses que je leur demande. Donc, sur l'écran, vous allez voir apparaître le tableau. Alors, moi, ce que je leur demande, c'est, je ne fais pas de caprices. Je range mes jouets. J'obéis à papa et maman. Je mange correctement à table. Je joue calmement. Je suis gentille avec tout le monde. Donc ça, ce sont les 6 choses que je leur demande. J'avoue que j'ai eu du mal à faire ce tableau. Et les 2 points sur lesquels je veux qu'il y ait un changement, c'est je ne fais pas caprice et j'obéis à papa et maman. Mes enfants n'obéissent pas forcément à papa. Ils obéissent à maman, mais ils n'obéissent pas forcément à papa. Papa, c'est quelqu'un qui va gronder, mais jouer tout de suite après. Donc, ils ne savent pas si papa il est sérieux ou si papa il n'est pas sérieux. Donc là, la balance, elle est toujours comme ça avec papa. Donc, papa, c'est quelqu'un qui ne gronde jamais puisqu'il joue après. Donc ça, c'est quelque chose avec lequel on a discuté beaucoup avec papa. Donc voilà, on va essayer de changer les choses. Hein. On est là pour ça après tout. Hein. Ensuite, pour les autres choses, ça va. Je range mes jouets, donc je suis contente parce qu'ils les font volontiers sans râler. Jouer calmement, ils le font aussi, sauf des fois quand il y a des disputes parce que ma fille, c'est une sacrée meneuse. Hein. Je suis gentille avec tout le monde. Ça, je pense aussi que oui. Je peux pas trop te dire, parce que finalement, mes enfants, ils voient pratiquement que leurs copains d'école, hein, ils voient personne d'autre, on n'a pas de famille, on n'a pas d'amis qui viennent à la maison, enfin bref, voilà. Donc ça, je vais pas rentrer dans les détails, parce que c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais je fais des caprices, c'est surtout, je pique une crise, c'est surtout ma fille, je pique une crise au magasin. Donc là, j'ai une solution par rapport à un commentaire qui disait de prendre ma fille à part et de lui expliquer pour détourner son attention. Et ça, je pense que je vais faire. Je pense que je vais faire parce que c'était une très très bonne idée. Je mange correctement à table et là aussi. C'est papa et maman qui devront changer la disposition parce qu'en fait on a une table haute mais on a des chaises basses. Donc la table leur arrive là. Donc ils sont sur leurs genoux pour pouvoir manger. Bref, donc voilà pourquoi j'ai eu du mal à trouver des choses à mettre dedans, mais j'ai trouvé quand même 6 choses. C'était important de mettre 6 choses parce que mon tableau, sinon il n'allait pas être joli. Voilà. En sachant que les photos ne sont pas de moi, j'ai piqué sur internet, donc voilà, comme ça vous êtes au courant. Et que ces tableaux, vous pouvez les retrouver en barre d'infos, en couleur bleue pour les garçons, en couleur rose pour les filles. Vous avez aussi un tableau vierge dans lequel vous allez pouvoir vous remplir si vous avez besoin. Donc tout ça, c'est gratuit et c'est en barre d'infos. Après, j'explique un peu dans le tableau. Par exemple, on va prendre « Je ne fais pas de caprice » pour le lundi. Alors, « Je ne fais pas de caprice », si jamais Miss Vemiti fait une caprice, elle aura un smiley en colère. Donc, je prendrai un smiley, je le mettrai là. Donc, en fait, ça va être sur le frigo. Frigo, frigo. Et on mettra le smiley en colère ici et ça sera aimanté. Par contre, si elle ne fait pas de caprice dans la journée, un smiley qui sourit, donc un smiley qui est tout content. Donc voilà à peu près comment je vais faire. Ensuite, par rapport aux récompenses, donc c'est un bonus à la journée. Au bout de 2 smileys en colère, il n'y aura pas de récompense. Si il n'y en a qu'un, ouais, il y a une récompense. Mais si on a 2, 2 sur 6, c'est non.
Dans les bonus, c'est eux qui choisissent, c'est moi qui choisirai à partir de la semaine prochaine, puisqu'on va mettre en place le tableau à partir de lundi prochain. La semaine d'après, c'est eux qui choisiront leur bonus. S'ils veulent un bonbon, s'ils veulent faire du dessin, s'ils veulent faire de la peinture, des trucs comme ça. Au moment où c'est eux qui vont choisir leur bonus, je pense que là, le tableau, il va marcher mieux, je pense. Je croise les doigts. Dans 3 semaines, je vais noter dans mon agenda, dans 3 semaines, je vous refais la vidéo du bilan des 2 semaines que l'on aura passé à faire ceci. Donc voilà pour ce tableau de récompense. J'espère que ce petit moment vous aura plu. Pour ceux qui suivent mes vlogs journalières, ben, ils verront mon vlog de ce jour après cette vidéo. Pour tous ceux qui étaient intéressés que par le tableau, je vous dis au revoir maintenant. J'espère que ce tableau vous aura plu. N'hésitez pas encore en barre d'infos à télécharger si ça vous dit. Donc, je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous. On se retrouve dans 3 semaines pour le bilan. Et puis, si c'était que ça qui vous intéressait, je vous dis au revoir maintenant. Bye bye! Finir la vidéo sur le tableau des récompenses. J'ai commencé à travailler dessus, puis j'ai vu que j'avais oublié que j'avais du linge à étendre. Donc j'ai plié le linge que j'avais sur le fil, étendu le linge, et là je vais préparer vite fait parce qu'il est quelle heure? Il est 11h moins, il est midi moins 5, mon mari va pas tarder. On ne sera que mon mari et moi, et puis on va manger comme hier, on va manger des petits sandwichs. Alors je faisais ça. Alors, programme du matin, ça a été déposer les enfants à l'école. Ensuite, je suis revenue, j'ai fait ma salle de bain à fond, les escaliers. Ensuite, j'ai commencé la vidéo que j'ai tournée là sur le tableau des récompenses. Donc là, j'étais en train de. Enfin, j'ai travaillé un peu dessus. Après, je me suis souvenue que j'avais du linge dans la machine. J'ai plié ce qu'il y avait à plier, j'ai étendu ce qu'il y avait à étendre, et là maintenant, je vais préparer de quoi manger pour mon mari et moi. Il arrive, ben non, il devrait déjà être là. On va déjeuner que tous les deux, mais ça va être des sandwichs et tout, ça va être un peu le même style qu'hier, avec des fruits, des glaces, peut-être des chips, j'en sais rien, et on verra bien. Et moi, je vous reprends tout de suite après. Coucou Bill, il a l'air petit comme ça sur la vidéo. Coucou. Regarde, il a l'air petit. Qu'est-ce que ça fait d'être sans les enfants? Non, ça change pas. Moins de bruit, silence. C'est la fête, même pas quoi. Ça on se fait yèche. Revenez-nous vite à la maison. Mais pour leur gueuler dessus, quoi. Milou. Et il va être sur toi. Donc je dois dégager. Qu'est-ce qu'il fait ce chat là? Qu'est-ce qu'il fait ce chat là? Alors il est 13h35. Mon mari est parti au travail depuis quoi? Un quart d'heure. Je regardais un peu la maison de la prairie, mais c'est pas fini. Mais j'ai préféré éteindre. Comme ça, je vais travailler sur la vidéo d'aujourd'hui parce que ce matin, j'ai quand même un peu bossé le tableau de récompense. Donc là, il faut que je finisse et puis tourner cette vidéo.
Donc, quoi de beau aujourd'hui, quoi de beau cet après-midi? Bah, rien de spécial. Hier, j'ai appelé la piscine. J'ai appelé la piscine pour avoir des renseignements sur la carte famille, pour pouvoir y aller, puisque j'ai vu que la carte famille était à 25 euros maintenant. Je ne sais pas si c'est 25 euros la carte ou 25 euros par an, par personne. Donc, ce qui nous ferait pour tous les 4, 100 euros. Et c'est une carte qui va durer 6 mois. Donc là encore, j'ai aucun de ces renseignements-là. Ben, j'aurais dû, hein. Mais bon, bref, là, je pense que je vais rappeler pour savoir comment ça se passe. Mais tiens, je vais faire maintenant, tiens. Je vais le faire maintenant. On va essayer d'appeler. Alors, je crois que je vais remettre comme ça pour que vous ayez moins de lumière. Alors. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Ça serait pour un renseignement, j'aimerais savoir combien coûtait la carte famille? D'accord. Ok, ben super alors. Ok, ben merci beaucoup. Au revoir. Pour tous les renseignements, donc en fait, c'est. Je ne sais même pas si on a entendu parce qu'elle parlait vachement fort, dis donc. Bref, alors, c'est. La carte, elle vaut 25 euros pour toute la famille. Et ensuite, on a droit pendant 6 mois au demi-tarif. Donc, ça fait 50% du tarif par personne. Je trouve ça trop génial. Voilà, donc ça, c'est fait. Je vais débrancher ça parce que j'ai pas de pile. Enfin, j'ai bientôt plus de batterie. Donc, pour terminer cette vidéo, je voulais voir avec vous mon rangement tampon. Il est bientôt fini. Il va me rester à faire le rangement et certaines pochettes pour des tampons bien spéciaux. Je m'explique. Alors, j'ai des tampons de différentes tailles, comme ceux-là qui sont un peu plus petits. Et moi, j'ai deux formats de rangement tampon. Donc, j'ai les plus grands et les moyens. Donc, je voulais faire des toutes petites pochettes comme ça. Je me dis, mais c'est trop de travail finalement. Vaut mieux que ce soit comme ça ou comme ça. Alors, par exemple, j'ai des tout petits tampons comme ça. Je pense les mettre ensemble, par exemple, bon, bah, qui aillent quand même ensemble. Ensuite, les mettre sur un grand rhodoïde et les coller comme ça. Donc, ça rentre dans ce genre de pochette. Après, on a les carrés. Oui. Oui, oui, ouais, on va dire ceux-là. On a ceux-là qui sont un peu plus grands. Je me dis, si on prend un grand et un petit, ça pourrait rentrer dans ces pochettes-là. Voilà. Donc, j'ai tout ça qui me reste à ranger en tampons, puisque ce sont des tampons qui ont des tailles différentes. Sinon, tout le reste, c'est bon. Et j'ai tous ces grands tampons où les pochettes, je vais devoir les refaire. Parce qu'en fait, là, quand j'ai fait ces pochettes-là, il y a quoi? Il y a un ou deux ans, ou l'année dernière, je les avais juste coupées en deux, mis une feuille et mis deux pochettes de tampons comme ça. Donc, ça s'ouvre ici. Moi, maintenant, je veux qu'il y ait un système d'ouverture vers le haut et plus sur le côté, comme cela, en fait. Voilà. Donc, je pourrais les ranger comme ceci. Donc, les grands et les moyens seulement. Comme ça, j'aurai deux types de pochettes, c'est tout. Je n'ai pas envie de faire plusieurs pochettes. Donc, voilà pour mes tampons. Je vois enfin le bout du tunnel avec ces tampons. Donc, ici, il fait toujours aussi beau. Hop. Ouais, depuis ce matin, on a du beau temps. Alors, je rappelle qu'il y a quelques années, vous savez, sur Facebook, à chaque fois, ils font montrer les images d'avant, là, les photos qu'on avait il y a 1, 2, 3, etc., le nombre d'années. Et je me souviens que les deux premières années où on était ici, il neigeait à cette époque-là, donc on avait un petit manteau de neige, enfin bref. Et puis cette année, rien, rien de chez rien. Donc on voit bien qu'il y a un souci quand même sur notre petite planète bleue. Donc, moi, je vais pas tarder à aller récupérer les enfants à l'école. Et puis, nous, on va se revoir demain
pour un nouveau vlog. Allez, je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous. Et puis nous, on va se quitter sur les images où les jumeaux vont vous faire un petit coucou. À demain, bye bye.